Hey, salut à tous, c'est Kiki du 93 et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le console manager. Donc voilà, c'est console manager. C'est XX machin bidule qui m'a conseillé ça. Donc je savais que ça existait, merci. J'avais déjà téléchargé hier. Donc merci à toi. Sauf qu'il y a un problème, je vais te montrer ça. Si tu regardes cette vidéo, dis-le-moi en commentaire qu'est-ce que c'est. Soit c'est un CID de merde ou soit il faut vraiment un bon CID. Donc attends, je vais juste ouvrir la page. Voilà. Hop. Donc je vais sur le site. Voilà. Donc CID valide, etc. Je copie celui-là. Copier. Et ensuite, je le colle ici. Voilà, je l'ai collé là. Et ensuite, je fais oui. Donc attends. Attends, c'est normal ça. Ça, c'est normal, hein, parce que il y avait le mot valide avec. Donc, je fais oui, là, ici. Voilà, donc c'est marqué là. Il y a un code juste là, en bas de l'écran à droite. Donc voilà, je fais OK. Ensuite, je vais sur ma PS3 jailbreak. Ici. Donc ma PS3 jailbreak, donc voilà. Le CID il a été changé. Tac. Je fais oui. Et voilà, le CID en fait il n'a pas marché. L'accès à Sony. Ça fait exactement le même message que hier. L'accès à Sony Internetwork a été interdit ou temporairement suspendu pour ce système. Donc voilà. Dis-le-moi en commentaire si c'est vraiment un problème du CID. Soit c'est un CID de merde ou soit il faut vraiment acheter un vrai CID. Donc dis-le-moi dans les commentaires.